Elle est dure celle-là. Non. Tu vas aller tout en haut, tu crois. Alors est-ce que Evan et Nili, vous voulez bien que quelqu'un vienne vous aider? Allez, c'est qui grimpe en premier? Nili, c'est parti. Tu te souviens comment on fait? Un, deux vers le bas. Il grimpe trop vite. Oui. Oui, je filme. Un, deux vers le bas. C'est ce qu'il a besoin, mais quand même. Et on redescend. Facile, bah fais-moi voir. 1, 2, 3, 4, 5. Très bien, Emilie, elle a sur le sol comme elle est grande. Très bien. Alors, regarde là-haut. Allez, vas-y. Regarde le grimpe. Oui. J'aime bien la corde dans tes mains. Alors, toi, Quentin, tu te mets à côté, tu te mets là, viens voir. Et tiens. C'est bien, sur la grimpe. C'est bon, j'ai peur. Qui c'est qui a un peu peur? Moi. Eh bien, contrôle ta peur, comment on fait? Oui, pour la côte en haut, Lucas. Oui. Tu peux toucher la chaîne? Mais quand on est pour repas. Et tu es dans la boîte. Poser des questions. Qui veut poser la première question? Allez, on t'écoute, Dylan. C'est pour tout le monde. Bon, comment penses-tu être quand tu seras adulte? Vas-y, répète. Comment penses-tu? Comment penses-tu être quand tu seras adulte? C'est bon. Quoi? Tu l'as dit tout à l'heure. Tu veux que je répète? Attends. Tiens. Tu écoutes. Comment penses-tu être quand tu seras? Quoi? Bah parce que je voulais que tu écoutes. Après. Là, il y a compris. Non, mais à partir de comment penses-tu? Là, tu passes direct à être quand tu seras adulte. Je comprends pas. Être quand tu seras adulte. Comment penses-tu être? Ah! Comment penses-tu être... Ah ouais, c'est bon, j'ai compris. T'as compris? Alors? Je sais pas. Alors, quand je serai grande, je voudrais travailler dans une maison de retraite. Ouais. Tu sais pourquoi? Parce que j'aime beaucoup m'occuper des papiers de mamie. D'accord. C'est bon? Est-ce qu'il y a autre chose que tu voulais dire? Non. D'accord. Allez. À qui on donne ce calme? T'as compris? Allez, à toi. Vas-y. Non? Est-ce que tu as une idée, toi? Allez. Et puis, on peut passer plusieurs fois. On peut passer si on a d'autres idées. Voilà, c'est pas... Quand je serai grande, je serai vendeuse de chaussures. Parce que j'aime bien les chaussures. Ouais. Parce que t'aimes les chaussures et la mode. Et la mode. D'accord, ok. Ah. Il est géant, ce truc. Bah, en fait, je croyais qu'il est... Alors, comme tu veux. Quand je serai grande, je serai policier parce que j'aime bien ce métier. Ouais. Est-ce que tu as une idée de ce que tu voudrais faire, toi, quand tu seras grand? Policier. Policier. Oh. Non, pas policier, pompier. Pompier. Et pourquoi ça? Et même moi, pompier. Pompier. Ouais. Qu'est-ce qu'ils font, les pompiers? Que tu aimes bien? Éteindre le feu. D'accord. Les accidents. Ok. Il y a quelqu'un que tu connais qui est pompier? Oui. Oui. Le plan, on est bon. Mmh. Maintenant, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est se préparer à l'accueil. Mmh. Mmh. D'accord, se préparer à l'accueil. Donc, on va mettre une affiche sur un panneau d'être pour l'accueil. Donc, les tickets, et puis faire un petit accueil. L'accueil, il faut que ce soit sympa. On est là pour accueillir les gens. Et pour leur expliquer
leur expliquer ce que c'est le forum. Voilà. Ouais. Et à quoi ça sert et pourquoi on le fait. Voilà. Et faire le parcours, leur montrer le voilà. parcours, où il faut partir. Mathieu, si tu veux essayer. Ouais, là, on a dit, voilà, on a mis là et l'autre. Du coup, ça, on le mettra là. Ouais. Dans la citoyenneté. Là-bas. Dans la citoyenneté, celle-là. Ouais. On va la mettre. Mathieu, on le met dans la citoyenneté. Ah, en fait, on a fait quatre. Il y aura quatre colonnes. Ouais. Une colonne citoyenneté. Dans la citoyenneté, on mettra cette activité. Avec Mathieu. Voilà. Avec, après, il y a expression pour un mouvement. Alors ça, c'est quoi ça, la cuisine, cuisine. Dans quoi ça peut aller ça? Là. Ouais. Ouais. Pas mal. Là, atelier. Atelier quoi? Bois. Ouais. Oui, pareil, non? Ça peut aller là. Hein. Ouais. Voilà. Tac, atelier bois, c'est pareil. Ouais, ça aussi. Là. Ça, c'est pareil, ça. C'est le matin, ça peut être une activité de travail, mais une activité aussi citoyenne. Parce que le matin, au parti, vous travaillez. Et on nettoie les pistes. Voilà. Il y a un échange, vous faites quoi après. Les cartes. Voilà. Du coup, tu peux le mettre là-bas, avec la citoyenneté. On te demande pourquoi on fait un forum, à quoi ça sert. Et tu disais, c'est pour transmettre ce que je fais, mon parcours, tout ce que, depuis que je suis petit, comment j'ai fait pour arriver jusqu'à l'ato et tout ce que je sais faire, tout ce que je sais faire aujourd'hui, tout ce que tu as appris à faire. Voilà. Et donc pour transmettre, quand tu dis pour transmettre. Tu parles de transmission, c'est quoi c'est transmettre pour transmettre déjà pour les jeunes, mais aussi pour les petits, pour les enfants aussi. Voilà, pour transmettre pour eux, pour des choses, voilà. Moi, c'est pour eux que je fais ça. Je sais pas ce que j'ai fait, mais... Et le parfait. On n'a pas écrit le forum, on a écrit devenir adulte, on va pouvoir coller les lettres. Qu'est-ce qui va se passer pour toi là dans les années à venir? Comment ça va se passer? Je quitte bientôt. À quel âge on quitte l'IME en général? On peut commencer à quitter l'IME. Parce que j'aime pas quitter mes éducatrices parce que ça va après. Sur le cœur, parce que j'aime mes éducatrices. Tu as un peu de mal à t'imaginer quitter tes éducateurs qui t'accompagnent au quotidien. Ouais. Et est-ce que tu penses que tu vas pouvoir retrouver et recréer du lien avec d'autres éducateurs en secteur adulte? On a côtoyé Jean-Michel, beaucoup. Ouais. Mais c'est où Lucinda. Pourquoi m'en les quitter? Mais c'est pas tout de suite. Mais à 20 ans, on commence à imaginer une orientation en secteur adulte. Parce qu'on est trop grand pour rester à l'IME avec les enfants. Tu comprends? Tu te rappelles? Super. C'est bon, Toto, tu la colles? Tu la mets là? Là, il y a rien. Mais tiens, regarde Tony, même tu peux la. Mais est-ce qu'il y a des choses qui te font peur dans l'idée de grandir? Qui t'angoissent? Les gens. Les gens te font peur? Qui? Quels gens? Les gens, aussi. Des gens en dehors de l'IME ou en dehors de l'ATO? Oui. Pourquoi ils te font peur? Parce que c'est peur m'engueuler. Ils t'engueulent? Oui, c'est peur m'engueuler. Tu as peur qu'ils te fassent des remarques? Oui. Ouais. En tout cas, raconter son expérience.
oui. Pour expliquer un peu aux jeunes comment on vit ici à la tour la situation du handicap et ce que ça n'empêche pas non plus de pouvoir faire des choses, d'avoir des compétences, des capacités et d'avoir une vie épanouissante pour certains. Oui. Voilà. Tu pourrais un peu expliquer ce passage que tu as eu, tu sais, de l'IME à l'ATO, comment ça s'est passé, et de montrer justement que si tu as eu, je ne sais pas, un peu l'angoisse, la pression du changement. J'ai eu l'angoisse parce que le psy de Murray m'a dit c'est que des bébés, tu vois. Ah, je me suis posé la question déjà, si c'était vrai ou pas, et puis non, du coup c'est des personnes en difficulté, qui sont un peu comme moi, et voilà, et l'avenir ne s'arrête pas là. Parce qu'il y en a qui se moquent de toi, parce que quand par exemple on dit que tu es majeur, que tu es un homme de tout ça, il y en a qui se moquent de toi, il y en a qui te disent, même que tu sois un garçon ou pas, que tu sois un adulte, il y en a qui te disent, par exemple des fois, il y en a qui te disent, qui te renvoient la balle, il y en a qui te disent, ah, toi t'es grand, t'es un bébé, tu sais pas te comporter comme un grand, il y en a des fois, ils se moquent de toi. Il y en a qui... Donc, à la question quand je serai grand ou quand je serai grand, vous avez tous parlé de, on va dire, plus de métier ou d'un statut, être princesse, être pompier, être policier, vendeuse, travailler avec des personnes âgées, voilà. Mais quand on devient grand, on pense qu'au métier. Qu'est-ce qu'il y a d'autre quand on est grand? C'est quoi être grand, être adulte? Est-ce que c'est seulement travailler? C'est ça? Non. Parce que bonjour, hein, si c'est pour seulement travailler, le monde. Vie, aussi, quand on est grand, on peut faire des enfants. Et t'aimerais avoir des enfants, non? Je vais en faire 8. 8, ça me suffit. 8, ça te suffirait? Oui, comme ça, j'aurai une équipe de foot des filles et des garçons, je crois. Alors, on reprend les deux images sur lesquelles on avait déjà travaillé. Vous en rappelez qu'on avait utilisé ce support? Vous en rappelez? D'accord. Émilie, où tu te situes, toi, par rapport à... Tu serais donc une... Adolescente. Une adolescente. Et donc, est-ce qu'un jour, tu vas être comme mamie? Qu'est-ce que t'en penses? Je vais être une maman. Ah, un tu... jour? Oui. D'abord, tu seras une jeune adulte. Après, oui, tu peux devenir une mon père est vivant. Avec mon amoureux aussi. Moi. Alors, elle a dit une bêtise. On a le droit d'avoir un amoureux quand on est adolescent ou jeune adulte. Plaisir. Anis, pourquoi tu réagis? On n'a pas le droit d'avoir un amoureux? C'est... Ou une amoureuse, hein. T'es belle, t'es Émilie. Qu'est-ce que t'en penses, Émilie? Regarde, il y a Anis qui te répond. On a le droit d'avoir un amoureux ou... T'es amoureux, t'es amoureux. C'est possible ou pas? Oui, c'est possible. Ah, ce que tu veux pour ta vie d'adulte. Ah, Anis. Oui. Une femme. Oui, avoir une femme. Oui. Une femme ou une copine? Une femme. Ah, une femme, donc te marier. Oui. Et bébé enceinte. Avoir un enfant avec elle? Oui. Elle est grand. Qui devient grand un jour? Oui, un jour. Et encore, quoi d'autre? C'est bien ça, déjà, c'est... Oui. Ça, effectivement, c'est quand on devient grand... C'est des choses, des questions qu'on se pose. Oui. Et alors, qu'est-ce que tu ferais avec ta chérie comme activité le soir, en rentrant du travail? Qu'est-ce que c'est ça? L'amour. Tu aimerais faire l'amour? Oui.
que c'est des questions qu'on travaille en secteur adulte. Ici, c'est pas possible, a dit Emma du Château d'Eau. Parce que c'est pour une structure pour les enfants. Mais oui, c'est la question de la vie affective, de l'amour. C'est une question qu'on travaille quand on est un jeune homme, quand on est en secteur adulte. On a le droit. Qu'est-ce qu'il y a encore comme chose que tu aimerais faire en devenant un homme, un jeune homme? Voilà, un grosse barbe. Avoir une grosse barbe? Oui. Ben oui, après on a le droit d'avoir une la barbe. Une grosse barbe, ouais. On a le droit de se laisser pousser la barbe, ouais. Bien sûr. Oui, c'est vrai. Tu laisses déjà un peu pousser? Oui. Ouais. Mais oui, c'est sûr. C'est... Ça montre que tu grandis, que ton corps grandit. Oui. Tu deviens aussi un homme. Alors, en un mot, être adulte, c'est quoi? Réfléchissez bien. En un mot. Je sais pas. Moi aussi, je sais pas. Moi, je dirais une belle. Je dirais. Attends, c'est quoi la question? Non, c'est pas lui. Un mot. Vous avez entendu ce qu'elle a dit? Non. Bon, écoutez-la. Un mot est traduit, c'est quoi? Mais moi, je dirais maman. Maman. Ah oui. Ouais. Moi, je dirais papa. Moi, je dirais enfant. Non mais... Ouais. Bah quoi? C'est bon dans un mot. Ok. Chacun, vous avez dit un mot. Donc, maman, papa, enfant. Écoutez bien. Que peuvent faire les adultes que les enfants ou adolescents ne font pas? Ah oh bah oui, ça y est. Il y a une truc qui m'a dit. Mais c'est quoi qui te... Attends, j'ai pas compris la question. C'est bon? Bah, il fallait écouter. Oh, c'est méchant. Attends, je vais le lire plusieurs fois. Hein, je comprends pas. Attends, tu veux le lire à voix haute? Que peuvent faire les adultes que les enfants ou adolescents ne font pas? Tu n'es pas la tête. Attends. Qu'est-ce que tu dirais, Dylan? Bah, pour faire un bébé, c'est l'amour. Ouais. Voilà. Ben oui. Ah ouais, j'ai compris, c'est bon. Bah, je sais pas. Si on parle de vie affective aussi, comme t'es les jeunes, ils se questionnent beaucoup là-dessus. Est-ce que vous dormez ensemble? Voilà. Est-ce qu'on peut faire notre vie amoureuse tranquille? Moi, je dis oui. Et pour la seconde temps, moi, elle fait dans sa chambre, moi, elle. Voilà. Mais voilà. Ça, après, on rentre dans le privé, là. Fermé, et voilà. Que chez moi, non, je peux pas. Eh oui. Ça, c'est bien de dire ça, parce que ça rassure, je trouve, c'est rassurant. Hein. C'est bien que tu dises ça, parce que c'est rassurant pour des personnes qui ne connaissent pas. Et qui voit que ben, ici, quand même, il y a une vraie vie affective, sexuelle, tout ce qu'on peut penser, qui des fois, de l'extérieur, si tu n'en parlais pas, de l'extérieur, on ne le saurait pas. Moi, c'est ma vie, moi. C'est ma vie, moi. Je ne peux pas dire pour les parents, pour dire maman, tout ça, non. Exactement. C'est ma vie, moi. Et oui. Voilà. C'est ma vie, c'est ma vie à moi. Donc, voilà. Moi, je suis avec Mathieu pour dire. Mathieu, c'est. Moi, ça fait longtemps que j'ai connu Mathieu. Donc, voilà, moi, j'ai une copine, j'ai ma vie. Dans la chambre, c'est comme vous, que les parents, c'est pareil. Chacun du vie. Donc, voilà. Voilà. T'as pas à culpabiliser ou quoi que ce soit. T'as pas à penser dans ta tête. Il faut pas que je dise ça, il faut pas que je fasse ça, parce que ça va faire du mal à un tel, ça va faire de la peine à un tel. Ouais. Tu fais ta vie et tu fais des choses qui t'amènent du bonheur et qui te permettent de t'épanouir. C'est ça aussi, de devenir adulte. Ah.
tu es en train de, voilà, tu es un adulte, tu montres là, c'est ça, devenir adulte, c'est tout ça. Ça, c'est un peu de lâcher de tout ça, de se poser. Mais même quand on est adulte, on y pense quand même à ça. Ouais, ouais. À se dire, je vais pas faire de la peine à un tel, je vais pas faire de la peine à un tel. Tu vois ? Donc, tu as un comportement, voilà, tu as ton comportement, il y a rien de. On peut aussi. Y a... Ce serait bien aussi qu'on détermine des questions qu'on va poser aux copains de l'IME, les grands, les petits. Du château d'eau pour qui nous raconte ce que c'est pour eux devenir grand, devenir adulte. Alors c'était vous qui les aviez dit. Hein. On a dit, est-ce que vous voulez un bébé? On avait noté cette question. Est-ce que vous avez un amoureux ou une amoureuse? Est-ce que vous aimeriez vous marier? Est-ce que vous voulez conduire une voiture? Est-ce qu'on peut vivre ensemble? Toi, est-ce que tu aimerais vivre chez ton père plus tard? Est-ce que toi aussi, ta maman te laisse seule à la maison? Est-ce que tu aimerais vivre avec ton chéri ou ta chérie quand tu seras grand? Et toi, est-ce que tu veux travailler et dans quoi tu veux travailler quand tu seras grand? Quand tu seras un adulte, tu veux faire quoi? Est-ce que tu as peur d'aller à l'ATO? Ah, tu risques... Et est-ce que tu as peur de quitter ta famille? Quand tu seras adulte, tu veux quoi? Je pense qu'elle est importante, cette question, parce que ça laisse... Hein, ça laisse les réponses libres. On peut répondre ce qu'on veut. C'est que là, je garde chez moi. Est-ce qu'on garde cette question? Qu'est-ce que tu dis, Oussama? Oui. Alors, qu'est-ce que tu veux dire du handicap, de devenir grand? Donc, qu'est-ce que. J'ai pas compris. Donc, tu veux parler du handicap et du fait de devenir grand? Ouais. Ouais. Et est-ce qu'on n'a pas le droit de grandir quand on est porteur d'un handicap? Oui, on a le droit. Alors, qu'est-ce que tu veux nous dire? Un son que la paix et film que la paix sont d'enseignants dans le cas et de la bébé dans le cas. Est-ce qu'on a le droit d'avoir des enfants quand on est une personne en situation de handicap? Oui. Je disais que la paix, que la paix. Une copine avec une copine? Est-ce que quand on est une personne handicapée, est-ce qu'on a le droit d'avoir une copine, c'est ça? Non, quand le cap, c'est un film. Oui, on a vu aussi un film sur ça. Ouais. Donc cette question du handicap, c'est vrai qu'on en avait parlé, on n'en a pas parlé dans les pictos, on ne les a pas ressortis. Mais il y a aussi cette question de la déficience ou du handicap. Et dans le devenir adulte. Est-ce que c'est difficile parfois? Est-ce qu'il y a des choses qui sont difficiles pour vous? À Nice, on en a parlé aussi de ça. Oui. C'était dur, hein, d'en parler. Si. Ça va un peu mieux ou c'est dur encore? C'est dur. C'est dur. Alors pourquoi c'est dur de parler du handicap? Pour les adultes, c'est la bête malade, c'est ça. Quoi? C'est quoi le canapé? Alors moi je comprends pas. C'est pour les salles de canapé, c'est malade. Ah, la police, c'est ça? Oui. Tu es malade. Tu es handicapé, tu es malade. Oui. Ah, c'est pour les salles de canapé, ça m'énerve. Alors, c'était l'intervention de la police pour les transports en commun, c'était ça? Oui. Et donc, le policier a dit que tu étais handicapé et malade. Oui, et ça m'énerve. Moi, dire la police, je ne suis pas canapé, je ne suis pas malade. Voilà, c'est compliqué. D'accord. Comment tu te sens? Voilà. Tu es en colère. Comment tu te sens, toi? Colère. En tant que personne. Est-ce colère. Que tu te sens handicapé? Est-ce que tu te sens malade? Je suis malade, je suis canapé, barbare. Mais toi, tu te sens comment? Ça, c'est ce que le policier t'a dit. Mais oui. Toi, à Nice, tu es une personne. Oui, c'est pas ça. Tu es une personne, donc tu te sens comment? Tu te sens handicapé? Non. C'est plus, c'est ça, moi, tu es présent.
Il dit présent 10 ans. Peut-être que le policier connaissait pas les difficultés qui sont les tiennes. Oui. Mais toi, tu te connais maintenant. C'est ça, grandir aussi. Mais c'est bien que tu arrives. Là, ça montre que tu es une personne qui commence à être un jeune adulte. Tu deviens un jeune adulte. Parce que tu es capable de dire « Je suis fâché qu'on ait dit de moi que je suis handicapé et malade. Oui. » Et c'est bien que tu l'aies dit, ça. Peut-être que tu aurais dû lui dire au monsieur, au policier. Ouais, dire « Police, moi, j'aurais dû lui dire, foot, hein. Monsieur, je ne suis pas malade. » Voilà. C'est bien, mais c'est bien. Ça prouve que tu grandis. C'est bien que tu le partages, ça. Thank you.